Aïe, aïe, aïe. Là, je sens si bral gen kouri pour tout bon. Gentil proverbe créole l'a dit. Justice, mon Dieu, c'est caca bœuf. En l'aile sec, en bal mouillé. FBI mette dehors encore gros vérité sous dossier Palacios là. Hey, Jean Bagay là et là nan moment, nèg pas ka met daipe encore. C'est couchette nèg. Parce que gede moun chaque lè cité nos Jovenel Moïse ka yon kase coup. Tant kou ampoule qui pral sauter. Yo tombe diare tant kou bœuf qui prend dans ta malon. Mesdames, mademoiselles et messieurs, est-ce que vous te connaît Palacios c'était chef opération le jour t'a pral touye président. Hey, rale chez ou chita, m'pral expliquer ou. Chay saute sous tête, li tombe sous épaule. Bureau Sénat, mette en note de yo. Nan note ça, l'ambe dit gade. Sénateur yo. Pa prenan intimidation. Ariel se bagay dictatel l'ab géré. Se bouye la bouye population. Mette kanson nou nan tay nou. Nou pral bataille parce que zafèm tande l'indicap 10 janvier 2022. Yo pral voye tire sénale. C'est li même hein, qui gen légitimité. C'est sou fiel mwen yo passe bagay kon sa pap ka fèt. Mesdames, mademoiselles et messieurs, mbral raconte ou tout ça qui gagne. Nan not sa. Mwen invite ou rale chez ou chita confortablement. Fou konsomi et faut pas ou rentre la kay ou se un plaisir. M'pral ba ou tout tripotay sa ou nan boti mamite sans retirer et sans mette. Bonjour, bonsoir tout moun, kouman ouye. Encore une autre fois, m'a dit merci. Merci parce que vous faites une confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité ou patience. Merci parce que vous like. Merci parce que vous abonnez. Et merci parce que vous partagez la vidéo. Ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune vidéo. C'est amis, pas ou Foucault. Mesdames, mademoiselles et messieurs, nous avons eu la chance de présenter un petit compte. Contre ça qui c'était, tablier madame nan deye dol. Merci à chaque fanatique qui te commenté, réponse là c'est zong. On pati krikak pour nouveau compte que nous gagne. Madame nan en dedans, chivey deyo. Madame nan en dedans, chivey deyo. Pas hésiter quitter élément de réponse par là dans commentaire là, ça fait nous plaisir en pile en pile. Gros nouvelle. Mon amyo, bienvenue. C'est sous taxe 609 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travail là capable d'avancer. Zami Pao Foucault. Jean Kente annoncé oui. Gedeneg actuellement là, c'est couchette yo mette. Yo pas qu'à mettre d'aipe encore. Cause Jovenel t'es déjà coupé contre yo. Yo pap gen l'argent temps en temps pour yo plaider acheter gros bal papier, gros bal daipe. Et bien kounya la se couchette yo acheté et yo pa gen l'argent pour yo lagen nan faire manifestation dans pays d'Haïti puisque yo poko konn ki le FBI a privé sou yo et yo pa vle moun suspect yo pendant moment. Et bien yo obligé mette couchette parce que couchette a pi économique. Donc, les cofines mettent couchette là, gon niveau wap vide de l'eau sou ou wè samdou là. Donc, couchette là, li même qui sont toile, li kembe bagay là. Et gede neg actuellement là qui commence double servante la kayo pour capable laver pour yo. Donc, comme nous connaissons, les ko mette daipe wap, ou si yede yo ak papier hygiénique, ou poupout wap, eh bien, de a vin sensible. Kounya là, c'est ti wipes. Ou obligé acheter. Dans moment ça, wipes ensemble avec couchette, c'est business qui apporte pile l'argent dans le pays d'Haïti. Gentil proverbe créole la dit, justice bon Dieu c'est caca bœuf, en l'aile sec en bal mouillé. Palacios Palacios, ancien militaire colombien, hier mardi a été présenté devant tribunal fédéral pour implication dans touye président Jovenel Moïse. Palacios c'est un ancien mob dans force spéciale colombien. Donc à partir de là, ou déjà ouais, c'est pas ti soldat piti. Guoto nèg qui fait partie des forces spéciales nèg yo voye al accompli gros bout de mission et ceci qui bon pour tout pays sous la terre frères et sœurs bien-aimés.
Yo rele aux États-Unis, yo brale. Yo rele aux Haïti pour vin touye président, yo ap vini. Kote yo rele aux dans le monde entier, yo brale. Parce que yo entraîné, yo pren formation pour ça. Eh bien, Palacio Sa, qui se ancien membre force spéciale colombien, yo te recrute en mai. Dans une société sécurité, nous rappelons de CTU. Et, société sécurité ça, qui place dans Miami, dans le pays les États-Unis d'Amérique. Émission nèg sa yo, c'est pas celle li même yo te recruté, c'était pour protéger yon dignité haïtien. Tant que jou a passé, eh bien, mission apprend l'autre étape. Donc, évolue, mission sa vin évolue. Kounya la, yo pral gon projet attaque sous palais national ak assassinat président Jovenel Moïse. Et monsieur yo pral arrivé assassiner président pour tout bon nan date 7 juillet 2021. Donc demain si Dieu veut ap fait Jovenel Moïse 6 mois depuis yo assassiné la Kaili. Et pour pays d'Haïti, m'te capable di pas gen grand chose dans la justice. Puisque nous avons dossier et palacios là, le marché plus vite parce que ça pas bon ici. Quoi que nous avons plus de monde, en pile moun, quoi que nous avons plus de monde, été arrêté dans le pays d'Haïti, bagay la l'empire de passer tout. Donc, frères et bien-aimés, groupe colombien ça yo qui était en mission, te gagné yon moun nan tête yo, yo identifié comme co-conspirateur numéro 1 qui baye mission pour touyer Jovenel. Donc, collaborer, Palacios pral collaborer là, ensemble avec la justice, pays les États-Unis. Donc, ou mettre tetan, co-conspirateur, non mais on sa, li pral dévoile, tôt ou tard. Et c'est lui moi-même, m'attend là. Selon déclaration FBI, Palacios fait partie soldat qui était dans premier rang dans touye président. Avait dit Palacios c'était youn dans chef opération pour entrer dans chambre président touye président. Auparavant, là on te posé la question. Li te déclaré, li pa konn anyen nan touye Jovenel. L'elle te entré kay président dans chambre nan, eh bien li te joine président déjà mouri. Et malheureusement, li pa konnen qui est-ce qui fait crime. C'est dans piège yo prendre. Et bien frères et sœurs bien-aimés, kounya la, Palacios décide coopérer ak autorité États-Unis yo, li espère bay tout détail sous déroulement opération, comment complot a été monté, bay tout commandité yo et opération ça qui semblait te préparé dans pays les États-Unis puisque nous connaissons compagnie sécurité c'est dans pays les États-Unis lié. Les Palacios tap sorti dans pays Jamaïque, tendez bien. Les Palacios tap sorti dans pays Jamaïque. Les rive Panama, li pral sauter sur une notice rouge Interpol pour complicité dans touye moun. Palacios pral accepte volontairement pour extrader li États-Unis d'Amérique parce que là li senti la insécurité pour que le palais cause pour le mettre cause à terre. Pas oublier Colombie pas tellement grand pays parce que ça mais c'est laisser les États-Unis d'Amérique cap sécuriser c'est gros cause. Donc rive Palacios rive Colombie il pas prendre qui ça capitaine ni même si c'est Géronje faire mon service colère. Fok, autorité haïtienne yo, ta mande Colombie pour extrader Palacios par Morisite pour venir répondre une question. N'est-ce pas? Eh bien, Palacios décide franchi, entre dans le pays les États-Unis plutôt pour l'alba et détail. Et frères et sœurs bien-aimés, femme dit nous, plus passe 40 moun arrêté dans touye président. Et même yon sécurité, pas de blessé, les attaques ça t'es fait. Donc 31 janvier cap vini là Palacios a gè pour retourner devant tribunal. Alléluia gè bon Dieu. Pas caché dit nous dans moment ça que assassin yo sauté parce que faut que yo joine co-conspirateur numéro 1
qui t'a changé plan dans mes palacios là, qui t'a dit pas de question arrestation de Kounia la fon touye président. Et ça qui fait pral prendre décision pour touye président, c'est parce que monsieur pas ka joine avion Léo fin prend Jovenel pour mettre la depuis pour aller laver dans l'autre pays. Donc franchement, pas qu'on n'a qui paye, yon tapra la Jovenel, mais de toute façon, yon tap fin prend Jovenel, yon mette l'on avion, yon allons samakle. Donc côté Jovenel yé l'autre bord, ça qui tapra le passé, yon tapre le temps en temps pour le signer à gauche, pour le signer à droite, pour le signer devant, pour le signer derrière. Malheureusement, nèg yo pa jwenn avion kou nya la ou pral changer plan. Ko conspirate a pral changer plan et puis pral dit ti monsieur gade palacios vide bal touye. Donc, nan moment la gen pile nèg ki gen la pipi. Donc, yo tan kou poule, chaque yo faire yo estené m pa caché dou, c'est poupou yo poupou sou yo. Et nan jou kap vini la, la ou poule gen la pipi. C'est retour de blip, youn tombe là, blip, youn tombe là, blip, youn tombe là. Eh bien, un jour kap vini yo la, frères et sœurs bien-aimés, ret connecté parce que c'est temps de n'attendre. FBI prend ça, FBI met ça en bas code, FBI met ça en bas code. Temps en temps n'attendre, gon chale, et pas oublier. 7 février pral rive, donc bagay yo pral compliqué pi red nan pays d'Haïti. 2022 ça, son 2022 pété couri. Et ça qui grave là, je ne j'ai dit, ou ka toujours levé pété couri. Mais qui kote ou pral caché? Qui kote ou pral caché? Ces questions m'a posé pour Kounia. Que de nèg qui envie entre en Haïti. Parce que si on entre en Haïti, qui kote ou ka caché? Mais blan di gade non, font titan, ou pas besoin trop pressé. Hein? Faut titan. La vie a dit, poko aller, poko descendre. Ou pas besoin de faire tout effort. Ça, l'embral, vin chercher pour ma prendre avion, etc. Ou pas besoin de faire tout effort. Ça. Ou m'a font titan, rete là toujours. T'as des compètes. Ou pas besoin de pète courir, retourner la caille. Et c'est yon bagay, frères et sœurs, qui fait pas jam suspendi. Docteur Reginald Boulos te mandé pour nous reset pays d'Haïti. S'il te vini depuis dat san de reset li, bagay yo pa ta privé là. Non? Non, bagay yo pa ta privé là. S'il te vini nous reset ti pays nous bien reset, FBI pa ta même malgré tal déposer là pas sous palacios. Non? Dat map dil vini pour nous reset, kounya la frères et sœurs bien-aimés, Jean bagay la est là, Jean situation ap déroulé là, semble c'est aux États-Unis Haïti a reset. Elle a le dit, ah oui. Elle a le dit, parce que, gon j'en wap reset li, si nous t'ensemble là, ouais, ça m'dou là, et Dimitri Vob, ouais, ça, et Yuri Chevri, tout ça que te pète courir. Nous tout vini en Haïti, et puis s'entendez à nous, kebel nous reset li. Gen quelques petites images, gen quelques petites vidéos, quelques petites musiques, gen quelques petites attaques sous téléphone, non, nous te capable de save, nous te capable de backup yo. Mais, les États-Unis qui ont des boutons et qui ont pris 7 pays d'Haïti, je ne sais pas si c'est compliqué. Je ne sais pas si c'est compliqué, frère, c'est ça. Et je ne sais pas si c'est compliqué, obligé de rester là pour y reset tout. En tout cas, quelqu'un dans la ville. Chay saute sous tête, li tombe sous épaule. Gros merveille fait dans le pays portugais. Dossier corona, ça, franchement. Franchement, frère, c'est ça. Et Jean Bagay la est là, m'a regardé, directeur santé a kap di haïtien, tant pri, prends ti vaccin, prends vaccin. Et, m'a di ouai. Eh bien, gros merveille fait dans le pays portugais. Yon infirmière réveillé après 28 jours, li fait en coma. Infirmière ça qui gagne 37 l'année. D'après site Yahoo ak divers autres médias étrangers, patiente la te recevoir Viagra comme traitement. Et c'est ça qui pral permettre li sorti en coma. Nous kon sa Viagra. Donc nèg ki pa gen ban toujours prend ti comprimé ça qui pou permettre yo rete jam. Autant de la m konnen nou m pa vwa nan prend Viagra. Et bien jeune infirmière ça te testé positif nan corona nan date qui était 31 octobre qui saute passé à là. Infirmière ça souffri asthme et puis malgré li prend deux doses vaccin Covid là, li perdit goût nan bouche li et sous quatrième jour
li pral commencé cracher sang après elle t'est fin testé positif. 9 novembre, yo t'a pral porté l'hôpital à cause li pas de respirer une semaine après. Yo t'a pral obligé transférer dans soins intensifs 16 novembre, médecin dans l'hôpital là. Dans le pays Angleterre, tu as pris le passé dans un coma artificiel pour 28 jours. L'élite tu as pris le réveiller, c'est dans le moment ça, mais si tu as pris le révéler, c'est une forte dose Viagra. Tu as pris le traitement expérimental bien avant qu'elle ait tombé en coma. Médicament ça, c'est lui-même qui arrivait à améliorer la santé infirmière. Li te entré dans le coma dans la date qui était 16 novembre, li sorti 14 décembre. Pour infirmière, c'était un pi bon cadeau Noël li recevoir dans la ville depuis l'elle fête. Mesdames, mademoiselles et messieurs, insolite nous pour journée jodi. Hey! C'est comme ça, FBI pral déshabiller garçon. Oh yes! C'est comme ça, FBI pral déshabillé garçon national et internationalement. Yes! Pral gazan en ville. On suit la vidéo ça ensemble. Déshabiller nèg comme ça yo pral déshabiller garçon l'autre semaine on va traiter ton bon nan moment la frère c'est sœur bien même pas comme ça qui passer la mode. Oh mais comment la mode a prend ou dans la cour USA on regarde cette vidéo ça. Devant n'a pas comprendre pour qui. Puis devant n'a ouais Jésus dans gloire. Prends courage frère moi fait que ou content. Parce que un jour n'a comprendre pour qui. Gros tension dans douane c'est mac là. Hier 5 janvier 2022 devant local douane. Divers débordés ak employés qui fait partie de institution exigé pour que yo capable retirer décision qui te prend pour affaire personnel pas passer dans douane ni sage sager. Devant local là divers caoutchouc a boulé. Situation ça qui te rend toute activité paralysée dans douane, mairie, APN, sans oublier DGI. Rappelez-nous, décision ça te prend les jours de Joseph te premier ministre dans date qui était 3 mars 2021. Dans 24 mars, te gen un mémorandum qui pral sorti sous décision ça jou te prend. Et parmi décision qui te prend AGD autorisé seulement Port-au-Prince nan capable recevoir effet personnel. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, moun yo mande tan pri pour enlever décision ça parce que yo pas capable encore. Yo pa ka ap gingo levin Port-au-Prince pour venir chercher affaire. Et rappelez-nous qui ça qui était la cause, yo te prend décision ça, c'est parce que temps en temps qu'on cagaison zam kap antre, cagaison zam kap antre. Donc c'est ça qui te fait gouvernement te prend décision parce que nan moment te gon dossier kidnapping qui t'a fait rage et jusqu'à présent toujours gen dossier kidnapping. Frère c'est ça bien-aimé, Sénat République là mettez en note d'ailleurs. Bagay la compliqué, bagay la raide. Nèg après les tout ça et yon apre comment yon te capable de bloquer Ariel Depanle. Et j'en bagay la et la frères et sœurs, m'attendé kek Haïtien Kabdou, mandat Ariel a fini 7 février 2022. Ariel te gen mandat. Nous te vote Ariel. Gen l'autre même qui fait qu'on est si yon te akoyo. Non,
Ariel pa gon mandat k'ap fini 7. Au contraire, Ariel la pou l'aller les que élection faite dans pays a. Sénat République là, aga yo red nan men. Kalambe grave. Biwo Sénat dénoncé ak toute force li. Manev, diversion ak intimidation planifié k'ap fait sous tire Sénat qui intouchable. Ah, mes amis, tire Sénat pa ka intouchable et puis vous ne voulez toucher. Hey! Eh, m'ba kache di ou, intimidation planifié ça, la fête sous tire Sénat depuis yon bon bout de temps. Objectif campagne intoxication ça, en réalité, c'est pour discréditer davantage grand corps. Mais Ariel, pour qui soit fait ça? Pour qui soit fait ça, Ariel? Pour préparer opinion publique là, consommer projet dictatorial inconstitutionnel là qui fait au besoin voyer tirer Sénat aller deuxième lundi janvier 2022 à là bagay la pas douce nos frères et sœurs on a une note cap mede biwo Sénat li invite toute population pour yo pas prendre un piège ça. Apprenti dictateur yo a essayé mettre sous pied. Et on voulait pas tout moyen éliminer tout sa peuple haïtien délégué exercice souveraineté nationale dans article 58 dans constitution pays à la traka pour la vekaite. Donc yo voulait établir un régime fort pour pi fort pouvoir concentrer en bas mais yon seul moun et puis lui-même qui pague aucune légitimité, aucune entité constitutionnelle et démocratique. Lambert invité pour tout sénateur aurait été ferme pour yon pas intimider avec indécente manipulation politique sa yo, campagne intoxication sa yo. Nous devons défendre l'institution sénatoriale, la démocratie peuple haïtien. Est-ce que vous entendez? Défendre institution sénatoriale la démocratie peuple haïtien, c'est ça qui dit dans notre nèg dou vle pa vle Lambert 10 ou bralé go l'autre équipe qui dit non yo pa ka aller. Et frères et sœurs bien-aimés, gen sénateur qui fait konnen si yo ta aller deuxième lundi janvier 2020, eh bien, sénateur doit aller en 2021 même. Si on est allé deuxième lundi mois janvier 2020, eh bien, sénateur yo reste 10 là, yo supposé aller en 2022 parce que ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Hey! En tout cas, restez connecté lundi cap 10 janvier. Bagay ou pral compliqué puisque Lambert lui-même déjà passé l'ordre à tout policier depuis nan neuf c'est dans parlement pour nous dormir. Sénateur c'est dans parlement pour nous dormir. Nous pral faire veiller dans parlement pour nous tonne n'a tonne Ariel et n'a tonne ni sous deux t-shirts et n'a tonne Ariel pour nous voir comment la vinn entrer pour le dire nous mettez nous dehors pour fermer parlement. Comme tant de la opéré de bon bout de temps, eh bien là, faut le connaître que 10 sénateurs sa yo intouchable, yo intouchable jusqu'à deuxième lundi mois janvier 2023. En tout cas, frères et sœurs bien-aimés, restez connectés. Bienvenue dans Haïti, la République des coquins sans voler caprété. C'est ou bon ko chan mon nation coquin comme ça. On suit vidéo ça ensemble. Les États-Unis c'est blanc. Moi, je suis même. Je ne suis pas justice aux États-Unis. Je ne suis pas là-dedans. Je connais ce pays. Je suis haïtien. Je crois qu'il faut qu'il y ait des juges qui sont là, des juges qui sont sérieux, qui sont là pour ce dossier, pour juger monsieur, pour juger monsieur normalement, sans tasser pour le venir. Si vous parlez de la solidarité des États-Unis, il faut que vous ayez un juge haïtien même qui a condamné les États-Unis. Pour qu'il respecte la justice haïtienne même, qui vous a condamné par la chose avec tout accord qui a été tué le président Jovenel. Ce n'est pas au président américain qui n'est pas la chose tuée, c'est au président haïtien. Et je ne pense pas tout. Si le président américain est mort, tant que le président Kennedy est mort,
c'est pas le juge haïtien qui est en train de le faire, c'est le juge américain qui est en train de le faire. Et même si vous tuez le président haïtien, si le juge haïtien qui est en train de le faire, nous avons aimé que pour la justice haïtienne, radier par la sauce en Haïti, pour venir répondre à la question de la justice. Nous avons aimé les Américains qui ont fait. Cap Kembel pour répondre à la question. Comme les habitants font, ils apparaissent aussi des mouns haïtiens pour juger, mettre en prison, etc. Mais nous avons un haïtien même qui pour questionner par la science pour dire de quoi il s'agit, de quoi il en est. Quelques autres qui opposaient à la décision, ça, dit pour qui ça, d'accord, c'est l'autorité américaine qui pourtant déprésumé assassin ancien chef l'État haïtien. Si nous avons fait justice haïtien, confiance, puis vous mentez. Comme haïtien, nous avons une belle faute. Nous avons comme Ariel, j'étais belle faute. Nous avons un ministre de justice là. Nous avons comment te retirer. Nous pas un ministre de justice là. Ariel vient mettre là. Nous pas qui travaille, il vient faire là. Ça veut dire qu'il faut aller c'est blanchi, il vient blanchir. Tout dossier, président Jovenel, te gagne contre tout le monde. C'est blanchiment dossier, il vient faire là. Ministre de justice, il met là. La place de ministre qui est là. C'est ça que nous avons fait là. Haïti, nous avons fait là. 1 million de gens qui ont fait prison cassée. Qui est libéré, c'est pas la sauce. La sauce ça moi-même. Et moi-même, je ne suis pas là pour dire que je ne suis pas la sauce là pour me camper, je ne suis pas levé par la sauce. Moi, je préfère que quelqu'un ait la main blanche foutue en bas. Même si le gouvernement haïtien, pour qu'on dise rien sur le dossier arrestation par la sauce là, il y a un ancien parlementaire, Alfredo Antoine, quoi, c'est celle bonne dans ciel là, qui a baillé le président Jovenel Moïse Justice. Il y a une déclaration ancien député a fait sur compte Twitter, dans la date mardi 4 janvier 2021. Est-ce qu'on entend des causes? Faut envoyer par la sauce Haïti? Pour venir répondre à une question, si gardons la nation, non, pas nous vague. Parce que ce bien aimé, l'aime de la nation, audacieux, comme ces blagues, gardons malheureux, frères et sœurs. Non, pas qu'elle a compliqué pour lui. Pas qu'elle a compliqué, parce que même la justice, ça l'a demandé. Non, il n'est pas étonnant, la l'autre semaine, où elle a mis gros l'argent de yon. Pour dire les États-Unis, il faut et pas la science, vine pas Borisit, pour juge Gary Aurélien, tande. Ou ça, juge là, tout y'a le bac à saler. Tout ça qui l'a y'a le bac à tande, c'est pas la science pour j'en ou ta fixe sous lui. L'étape sorti si, nan pays Jamaïque, autorité Jamaïque yon fait qu'on est, yon saisi ouais, l'État haïtien pas bailli, l'État haïtien pas accompagné par la science pour entrer Colombie après ça yon aller chercher. Donc, si vous voulez tout yé par la science dans la route, vous voulez tout yé, n'importe bagay de karivel. Yon pas accompagné par la science. On moun nous dit qui participe dans tout yé président nous. C'est comme ça, nous choisi faire bagay yo. Et puis, kounya la, ça li même li vine Abdou, et juste ça qui poutan de lui. Et la jamais gite, oui, la jamais gite. Même document nécessaire, nous pas de voye. Kounya la, nous fin chaud devant bon, faut que les États-Unis voyent le ban, ça la vine fait là. Moi, si on te prend tout Colombien, ça me doula, yo a juger. Parce que, m'y est senti, frère, c'est ce bien-aimé, dossier l'autre bois marche plus bien que ça ici. Et nous connaissons, juge pas bon ici dans le pays d'Haïti, nous habitué ensemble avec le système judiciaire, nous, c'est casse fait couvrir ça, fait scal dans le dossier. Arrêtez pile Colombien ça yo. Arrêtez tout policier ça yo. Joune jodi autant de youn, demi autant de l'autre, après demi yon te ge pour étendre l'encore, pas de gaz, pas de courant. C'est quoi l'histoire? Ou non pays, nèg ki tap mette courant, nous touyel koun yala nap fè, nap instui dossier nan fè noua. Tout moun sa yo arrête, ki le apre si passe, e ge commence mourir nan prison. Bagay la compliqué. Mwen lem di nou mboko jan mwen nation audacieux, nous de passe se blague. Et comme étant donné, dans le cafou, ça nous arrive, je me sens blanc, comprendre qui ça a ici. Non, bagaille compliqué. Et rappelez-nous dernièrement là, Jean-André Michel t'a prouvé col, oui, blanc mes amis qui t'aiment, je repaye nous, nous capables, nous avons capacité, nous avons 10, nous avons date, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Après ça, la douce blanc choisit Ariel, et ça fait nous courir Ariel. Mais c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire, frères et sœurs bien-aimés? Ou est-ce qu'on y a l'argent? Ou est-ce prêt pour faire gros manifestation pour dire vous et pas Borisit, vous et pas Borisit? Oui, nous avons la justice, nous avons dans la justice. Mais qui la justice? Qui paye? Qui qui nation? Oh, la traque pour la vie, papa. Frère et soeur, quoi est dans la justice? Qui la justice? Pays d'Haïti, moi, dernier bagay pour m'ta kwe. Même tout dit nous ça clé. Et moun qui dans le système judiciaire, connaît ça m'a dit à tout. M'en prend men nous, si nous voulons parler bien de nous. Kounya la, ou elot la getan vindou, li kwen nan justice pays.
bon nous gen capacité nous capable comme ça et puis nous pas jamais arriver faire élection dans pays nous sans honte nous sans sentiment. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti pays spécial. Bon, go ministère que le ministère là qu'il dit dans pays d'Haïti. Ministère là qu'il dit. Qui ça au qu'il dit? Non, est-ce que ministre ça lui même là seulement pour contrôler diri qui a sorti dans pays Taïwan? Hey! Gano pays monsieur. Ministre environnement. Quoi ministre ça? Expliquez-moi qui ça vous fait dans le pays, frère Zisse. Parce que vous avez un rapport qui est supposé. Donc, ministère agriculture. Docteur, s'il vous plaît, expliquez-nous. Hein? Expliquez-nous qui ça fait dans le pays. Parce que de temps en temps, mon plus ouais, ça fait impact. Les Taïwan voyaient diri. Nous promettons de manger la appétit, nous la contrôler, ti sak diri. Avait dit agriculture dans le pays d'Haïti pas fonctionnel même. Qui ça nous fait? Est-ce que nous là seulement pour nous contrôler ça qui est sorti dans l'autre pays? Même pas jamais dans un rapport, mais ça qui est fait, mais ça qui est fait dans le ministère. Mais comment, eh bien, production nationale pays a marché? Mais nous sans honte. La crise boulit, moi. Bon Dieu, que la TV Nation, ça n'a pas. En tout cas, mesdames, mademoiselles et messieurs, j'aime toujours aimer dire. Haïti, dictature, c'est l'appel des Antilles. Haïti, démocratie, c'est la république des coquets, sauf voler caprété. N'a fait place à Voix de l'Amérique pour cette information nationale et internationale. Rendez-vous cassé dans un petit temps qui n'est pas trop long. Et l'autre fois, encore, on a visité pour une grosse salutation et merci que le fait qu'on quitte nous entre la caillou jeudi, mercredi 5 janvier 2022. Et nous comptons tout qu'on continue à faire ça pendant toute l'année. Nouvelle, d'abord nous apprêté aux États-Unis, Abdou Kap Maké, jeudi 6 janvier, premier anniversaire attaque et monde qui était présenté tête comme partisan ancien président Donald Trump, qui est lancé sous congrès pour empêcher certification victoire Joe Biden dans l'élection 3 novembre 2020. Yo reportage, Serge Rodriguez. Ça n'a pas gardé là, c'est figurant qui était poussé du feu pour plusieurs milliers de partisans mauvais coucons envahis le congrès États-Unis. Hein? Un événement moun considéré comme une journée plus choquante dans toute l'histoire pays. Plusieurs milliers de partisans président républicain Donald Trump t'ont poté bourré dans Capitol Hill dans journée 6 janvier 2021. Yon façon pour attaquer président chambre basse là Nancy Pelosi avec ancien vice-président Mike Pence en particulier dans moment yo deux a tapé certifié victoire candidat Joe Biden sous président sortant Donald Trump dans élection 3 novembre 2020. Foul moun yo te envahi policiers et journalistes comme Zak Krasé brisé en dedans congrès et fait piller dans bureau parlementaire américain. Zak violence avec Zak Briganda était la cause 5 moun mourir alors que 138 policiers étaient blessés. Sous bon pali, la justice américaine lance accusation sur plus passé 720 partisans M. Trump et événement ça a débouché sur un deuxième jugement d'institution contre un leader américain Andy quelques jours seulement avant ancien leader États-Unis a quitté pouvoir. M. Trump pas suspendre fait comprendre que l'élection a été chargée avec Zach Magouille, même l'un des bons en preuve qui démontrait le contraire. Beth Turby, c'est un supporter ancien président républicain. Moi, ici, là, pour moi, un président qui gagne l'élection en réalité. Et moi, t'as rien maintenant de ça, je vous le dis, non sans ça. M. Trump t'a paré pour prononcer un discours pour partisans Lyon demain jeudi 6 janvier, mais il a annulé discours à côté de dit qu'il préférait parler avec supporters Lyon dans un meeting populaire qu'il planifiait pour date 15 janvier prochain dans l'État Arizona. Observateur fait connaître, ancien locataire Maison Blanche là, a passé toute l'année 2021 à influencer parlementaire qui n'a qu'en pas Lyon. Jérémy Suri, c'est un professeur d'histoire dans l'Université de Texas, dans Ville Austin. L'a essayé de limiter l'accès pour moun voter dans l'État qui gagne une population diversifiée, dans l'État Georgie et Texas. L'a regardé pour elle si député Jim Jordan et député Marjorie Taylor Greene capable élu législateur même tendance avec eux. Député qui pourrait faire bagarre tant qu'on maintenir immigrants en dehors des États-Unis et puis retirer pays à l'OTAN. Agenda président Trump, c'est un agenda qui mettait États-Unis en premier. Président Joe Biden lui-même a parlé pour prononcer un discours dans l'après-midi jour 6 janvier devant le Congrès. D'après porte-parole Maison Blanche James Saki, qui précisait que M. Biden pourra continuer à insister sur responsabilité de Donald Trump envers le pays. Moi, par quoi nous te mettez de l'eau dans la bouche, nous, sous question ça.
Ouais, le président Trump s'était passé constitution en bas pied, dans une tentative pour bloquer une passation pouvoir paisible, et puis défendre une foule partisan qui était attaqué Capitol Hill et attaqué policiers. C'est un bagage qui est bien documenté. Sans dire peut-être, président Biden considérait ça comme un pire mauvais jour pour la démocratie noire. Bout pour bout, il y a une possibilité pour l'ancien président républicain citer quelques paroles, président Joe Biden dit, dans le meeting populaire 15 janvier prochain, dans l'État Arizona. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Serge Rodriguez. Et bien, le sondage, l'agence nouvelle Associated Press, montre que démocrates avec républicains, y a un point de vue différent sur ces gens-là. C'était une scène bataille féroce que un policier Capitole l'a décrit comme un bagaille Moyen-Âge. Yon lot moun ki répond question dans sondage la qualifié comme un voyage dans l'enfer. Plus passé 100 policiers étaient blessés et gen lot que yo te bat ak prop zam yo. Et pourtant, presque yon l'année après siège 6 janvier, yon minorité républicaine songe jan attaque partisan ancien président Donald Trump yo te fait sous Capitole la te terrible. Seulement à peu près 4 républicains sous 10 décrit attaque ça comme extrêmement violent. D'après un nouveau sondage CentreNorc pour recherche sur affaires publiques à Société de presse, à peu près 3 sous 10 républicains dit attaque ça pas de violent et à peu près 3 sous 10 dit l'été yon ti jan violent. Donc, sondage ajoute que semblé républicain yon pensé que bagala pas mérité tout paquet de parler en pile ça. D'après éditeur sondage à Société de presse là, Emily Swenson. En général, à peu près 2/3 américains décrit journée ça comme une journée qui était extrêmement violent parmi eux 9 sous chaque 10 démocrates. Résultat ça a reflété division politique qui existait dans le pays. Côté quelques monde bail une faux description pour attaque là malgré image télévision yon montré en détail qui j'ai été saccagé building. Trump a quelques alliés li dans Congrès ak médias conservateurs té minimisé ça passé a. Il te présenté attaque là comme une la troublée civile. C'est une opinion que en pile républicain partagé et gagné même qui allait jusqu'à défendre brigand yo même. Pendant ce temps, pourcentage américain qui la gère responsabilité sous Trump pour attaque 6 janvier a augmenté yon ticras dans l'année qui passait à. Côté 57% dit l'hypothèse responsabilité. Révolte ça c'était dernier acte dans effort désespéré que Trump t'a fait pour le changer résultat élection yo que il était perdu devant Joe Biden. À peu près 7 sous 10 américains dit tout, yon commission choisie dans chambre représentant, ta doué continuer mener investigation sous attaque là. Tandis que 3 sous 10 dit, yon pas ta doué continuer enquête là. Merci, Marie-Louise Pierre. Ici, aux États-Unis toujours, président Joe Biden a posé les mêmes questions, leader mondial lui a posé sous santé démocratie américaine, Serge François Michel. At this hour, our democracy is under unprecedented assault. Président Joe Biden a posé même question qu'a tracassé l'idée mondiale. Yo, question, li pat jam pensé l't'attendait. Yo mandé, est-ce que États-Unis a bien marché ou bien est démocratie États-Unis? Pendant Biden te cherché baya li yo assurance États-Unis, quelquefois li insisté sous menace grave qui devant démocratie à la caille li depuis révolte 6 janvier dans Capitole États-Unis. Ak menti que perdant la élection Donald Trump a répété comme quoi yo te volé élection 2020. Et Biden pas parlé de vrais problèmes côté un paquet de monde qui était en faveur révolte là qui prend place dans bureau élection local yo ak changement républicain au fait dans loi élection yo dans plusieurs états. Kounye la, pendant anniversaire jour mortel sa approché, président démocrate là, gen moun kap exhorté li choisi sa ki priorité pour lui et servi ak pouvoir li pour le pousser projet loi sous droit pour moun voter, sa ki d'après moun ki d'accord ak projet sa, c'est seul bon jan moyen pour contrer menace kap entré bien vite dans processus démocratique là. I've never seen anything like the unrelenting assault on the right to vote. Merci, c'est François Michel. Dans l'autre nouvelle, nous connaissons que l'autorité américaine présenté devant le tribunal fédéral américain, citoyen colombien Mario Antonio Palacios, qui accusé comme quoi l'Italien pour une attaque qui fait sous, ou bien, attaque mortelle, ou bien assassinat président haïtien Jovenel Moïse, eh bien, il était présenté dans le tribunal mardi et 4
janvier, eh bien, sous question ça, quelques citoyens haïtiens eux-mêmes ont exigé extradition Mario Antonio Palacios dans le pays d'Haïti de préférence, pendant que gen l'autre qui insistait pour dire que c'est l'autorité américaine qui doit juger présumé assassin président Jovenel Moïse. Là, plus d'état avec correspondant nous, Mathia David May. La yo ba raison qui explique pour qui ça c'est juge qui a instruit dossier sous assassinat ancien président Jovenel Moïse là qui doit auditionner Mario Antonio Palacios Palacios. Les États-Unis c'est blanc, moi même ça ici même. M'pa quoi dans justice États-Unis, m'pa quoi là-dedans, m'pa là-bas, m'pa dans ce pays, sont haïtiens, m'pa quoi qu'il faut gagner des juges qui là, des juges qui sérieux qui là qui pour ce dossier pour juger monsieur, normalement sans tassi pour venir. Si pour Palacios ça arrêter les États-Unis, faut que t'avoyer juge haïtien même qui a condamné les États-Unis, pour qu'ils respectent les haïtiens même, qui ont condamné par la chose avec tout accord qui a été tué le président Jovenel. Ce n'est pas, pas au président américain qui a par la chose tué, c'est au président haïtien. Et je ne pense pas tout. Si le président américain est mort, tant que le président Kennedy est mort, ce n'est pas le juge haïtien qui c'est jamais qui est mort. Et même si on tue le président haïtien, si le juge haïtien qui est mort, nous avons aimé que pour la justice haïtienne, radio par la sauce en Haïti, pour venir répondre à la question de la justice. Nous n'avons pas d'armes américaines qui ont fait pour répondre à la question. Comme les habitués font, là, par exemple, c'est des gens haïtiens pour juger, mettre en prison, etc. Mais nous n'avons pas d'armes haïtiens même qui ont questionné par la sauce pour dire de quoi il s'agit, de quoi il en est. Quelques autres qui opposaient à la décision, dit pour qui ça est d'accord, c'est l'autorité américaine qui pourtant déprésumé assassin ancien chef de l'État haïtien. Si nous avons fait justice haïtien, confiance, puis gros menti, comme haïtien. Nous avons une belle faute, nous avons comme Ariel TTTGT belle faute, nous avons une mini justice là, nous avons comme elle retiré, nous avons une mini justice là, Ariel vient mettre là, nous avons qui travaille, il vient faire là, ça veut dire qu'il faut aller se blanchir, il vient blanchir, tout dossier, président Jovenel, il vient contre le monde, c'est blanchiment dossier, il vient faire là, mini justice, il vient mettre là, la place de mini justice qui est là. C'est ça moi qui a fait là. Haïti nous avons baillé, on million quand on est baillé, on est prison cassé. Qu'est-ce qui libéré, c'est pas la sauce. La sauce ça moi-même. Et moi, là, vous dites, mais pas la sauce là, vous me le camper, vous me lever par la sauce. Moi, je préfère que quelqu'un était la main blanc foutu en bas. Même si le gouvernement haïtien, pour qu'on dise rien sur le dossier arrestation par la sauce là, il y a un ancien parlementaire, Alfredo Antoine, quoi, c'est celle bonté dans le ciel là, qui a baillé président Jovenel Moïse Justice. Il y a une déclaration ancien député a fait sur compte Twitter, dans la date mardi 4 janvier 2021. Depuis Port-au-Prince, moi, c'est Mathia Dovinme pour la Voix de l'Amérique. Merci Mathia Dovinme. Toujours nouvelle concernant le pays d'Haïti, meilleure façon pour que nous fassions transition, mesdames, puisque Dr. Henri Nodestinob, qui lui-même présentait tête comme porte-parole signataire à l'accord Montana, plaidait en faveur d'un accord unique pour résoudre la crise politique là. Un reportage, Renan Toussaint. Les plusieurs douettes à manger calal ou démocratie, tout petit peuple là a pratiqué vivre ensemble, chita ensemble, travail ensemble, et puis jouer une bonne solution ensemble. Il y a même à Comontana, Dr. Henri Nodestinob, qui dit, les porte-parole, tout sénateur à Kosa, lui plaide en faveur d'un accord unique pour résoudre la crise politique. Là. Les plusieurs doivent être à manger calal ou démocratie, pas bien ni accord Ariel, ni accord Montana, ni accord Sesok, ni accord Laria, ni accord du milieu, mais au contraire. A bien un seul accord unique. Sous ça, Dr. Destinob annonce participation dans un forum consortium organisation haïtienne dans la diaspora a organisé dans l'État Louisiane aux États-Unis, sorti 13 pour arriver 19 janvier 2022, sous thème Unité toute famille haïtienne dans quatre démarches pour faire une synthèse avec tout accord politique. Objectif là, c'est une intention pour arriver à joindre un seul accord unique. En faveur peuple haïtien et débloquer crise là qui durait déjà trop longtemps. Pendant ce temps, Premier ministre Ariel Henry, qui a appliqué à Komisoa en septembre 2021, annoncé la chita parlé avec signataire accord sous base d'un consensus politique pillage, la fait chita tandis tout, dans le cadre mise en place d'un conseil électoral provisoire pour organisation prochaine élection présidentielle, législative à collectivité territoriale. Oui, là, tout c'est pour la Voix de l'Amérique. Port-au-Prince.
Nous saluons tous les téléspectateurs qui suivent nous là en direct sur page Facebook et qui étaient avec nous tout à l'heure là avant nous de venir et présenter chose ça. Et bien n'a du tout en réaction gain ancien sénateur Yuri Latortu lui-même qui réagit après premier ministre Ariel Henry fin annoncer que la rencontre l'autre sénateur Akoyo sous base d'un consensus politique largement large. Actuellement nous dans dernière phase parler avec Montana. Montana qui est toujours à faire dialogue politique, mais nous avons une phase côté que nous avons marché contre lui pour que nous arrivions dans un consensus. Donc nous-mêmes, tout, bon côté par nous, nous pas arrêté de camper et dans le consensus qui a joué, nous avons ouvert pour tout l'autre secteur qui voulait rentrer dans le consensus pour que nous avons une transition vraiment coupée fâchée avec le système. Avec quoi, avec l'hypocrisie. Nous avons ouvert également parce que nous pensons que. Je dis à tout le monde un rôle pour jouer, mais l'essentiel, question, les politiques, il faut qu'on consensus largement large. Ça veut dire d'accord avec l'annonce de écoute, nous-mêmes, pour nous arriver là, je dis avec Montana, c'est 3 mois que nous avons parlé. Donc, 3 mois avant l'annonce, nous devons rentrer là-dedans. Deuxièmement, le 7 septembre, c'est moi qui t'ai dit, Premier ministre Ariel, pas signer à quoi ça pour qu'on tout. Allez chercher Montana. Al chercher l'autre tiers Sénat. Dès qu'on joue tout groupe, ça y est, n'a bon accord et n'a bon bon transition. Donc, déjà, avant si à 11 septembre, moi, j'étais yon dans le monde et peut-être ça m'a passé un accord là qui t'a demandé pour tout l'autre groupe yo rentrer dans l'accord là avant que nous lancions la transition. Sénateur, ancien sénateur Yuri Latortu, n'a pas appris que samedi 1er janvier, à Negame dans la ville Gonaïve, t'es empêché Premier ministre Ariel Henry prononcer. Discours et pour marquer 218e anniversaire indépendance pays. Sénateur Yuri Latortu a réagi sur la question de que les condamnés à taxes actes faites sous délégation au gouvernement. Nous dit que ça arrive à nous regretter, nous condamner et en même temps nous porter condoléances à moun et qui tombé, qui c'est moun la Tibonite, mais le gouvernement est seul pour le faire. C'est de déployer leadership politique, capacité politique, pour que l'été par là tout le monde. Et moi, je pense que la solution, c'est ça que lié, li par l'autre, que capacité politique pour parler avec tout le monde. Et comme nous avons un plan sécurité qui besoin que la paix retourne dans le pays, ça, nous avons conseillé, parce que la première phase plan sécurité, nous, ça lié, c'est dialoguer pour si nous avons mettre Zamnan meyo avant. Donc, nous conseillons sous question que il y a différents groupes gonaïves. Il y a différents groupes gonaïves et groupes sa yo, il y a des groupes de l'opposition, de l'ancienne opposition. Il y a des groupes, c'est des mouns qui étaient à Jovenel. Il y a des groupes qui sont signataires de l'accord. Il y a d'autres groupes, eh bien, qui ont des insatisfactions politiques. Et que nous souhaitons parler à mouns sa yo. Pour yon kakri yon atmosphère et le fini intégré yon dans sa affaire. Malheureusement, nous voyons que ça pas fait. Et dans fait moi, il y a plusieurs ministres qui te relé nous, qui te dit nous exactement qui situation. Nous te explique exactement, mais comment situation est. Et faut yon mettre un leadership politique. Pour que vous puissiez parler à Mounzo, parce que le problème, c'est le problème politique. Et jusqu'au 31 décembre, nous avons parlé avec des responsables. Nous avons parlé avec des responsables de police. Et là, nous n'avons pas de capacité politique, ça. Nous avons simplement dit, moun ki te rele nou yo, que attention, si nous n'avons pas de résoudre le problème, yo, mieux vaut que nous renvoyer et venir, nous faire un lot là, parce que dans la situation que nous y a, il faut nous éviter. Toute question d'affrontement, il faut nous éviter la situation dans ce moment. Malheureusement, eh bien, le gouvernement vini, ou jouen, eh bien, des mouns qui blessés, ou jouen même un jeune qui mourit, c'est Diogène, Yves Diogène, que nous regrettons et que nous condamnons ce qui passé. Parce que moi, je pense que pas de grand leadership politique qui était déployé. Pour te jouer une capacité politique ça, pour que tu parles à tout groupe. Parce que nous sommes dans une situation difficile. Il faut que tu parles à tout le monde
pour que vous arriviez à jouer une situation ça. Eh bien, programme ça, ou à suivre là, ou bien que vous regardez là, les soutiens depuis capitale fédérale américaine dans Washington DC. Mais comme nous habitués, mettez ma sou, ma pété pam, comme ça nous yon a protégé l'autre contre propagation pandémie COVID-19 là. Déblos a pété entre professeur avec responsable l'école yo dans Chicago, dans l'État Illinois, dans le moment pandémie coronavirus là, a fait ravage. Sandra Lemaire. Chicago annule classe pour élèves l'école yo mercredi après syndicat professeur yo voté pour faire classe yo en ligne pito à cause paquet cas coronavirus yo enregistré dans ville ça. Magistrat Lori Lightfoot critiqué syndicat. Unfortunately, malheureusement, leader CTU a encouragé même à prendre décision qui va blesser des centaines de milliers de familles dans Chicago qui comptaient sur l'école publique pour éducation, nutrition et sécurité. C'est un vrai danger. For their education, for their nutrition, for their safety. That's real harm. Syndicat bon côté pal insisté pour dire protocole sécurité ville là pas assez et ça la cause ni professeur yo ni élèves yo vulnérables. Sandra Lemaire pour la Voix d'Amérique, Washington. Toujours dans la nouvelle yo, semaine ça, innovateur qui sorti tout partout sur planète là, rassemblé dans Las Vegas, Nevada, côté à dévoiler nouveaux technologies. Journaliste et Voix de l'Amérique là, français pour l'Afrique, Azuma Compaoré, li sous place côté li causer avec une innovateur ça yo qui parle français. Et c'est parti pour l'événement médiatique officiel du Salon de l'électronique de Las Vegas, CES Unveiled. Plus de 130 exposants choisis sur mesure présentent des technologies révolutionnaires en exclusivité pour les médias. Et c'est également l'occasion pour les lauréats des CES Innovation Awards de présenter leurs produits. Alors, si vous êtes prêts pour un petit tour, c'est parti. Là, nous avons derrière nous une machine à laver portable et c'est une invention de Dan Technology. Nous sommes avec son CEO qui s'appelle Damien Pi. Bonjour Damien. Bonjour. Alors en quelques mots, dites-nous, cette technologie que nous avons ici, ça sert à quoi? Alors c'est un petit lave-vaisselle qui se pose à côté de l'évier, sur l'égouttoir, qui ne nécessite pas d'arrivée d'eau, puisqu'on le pose, on le relie au réseau électrique, on le remplit par l'avant, comme une machine à café, avec un galon d'eau, et ça se vidange directement dans l'évier. On lave en 20 minutes la vaisselle de deux personnes, c'est-à-dire 6 assiettes, 4 verres, 2 tasses de bol et les couverts. Donc voilà, pour une ou deux personnes, c'est vraiment la vaisselle qu'on va utiliser sur une journée. Et ça se vidange directement dans l'évier, propre et sec, en 20 minutes. Pour Dan Technology, un événement comme le CES, ça représente quoi? Nous, le CES, c'est avant tout une opportunité de nous faire connaître, puisque nous, on est présent en Europe aujourd'hui, où on a vendu sur l'année dernière 35 000 bob. Donc c'est un beau succès pour une première année de commercialisation. On est également présent à Taïwan et on sera présent cette année au Japon, en Corée, Hong Kong, à Singapour et en Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada. Et c'est pour ça qu'on est venu là aujourd'hui, pour nous faire connaître sur le marché américain, puisqu'aujourd'hui le bob est en précommande sur notre site à $299 au lieu de $399 qui est le prix de vente retail conseillé. Vous êtes surpris de voir un peu comment les gens utilisent votre invention finalement? Oui, alors en fait, nous, il y a plein de choses. Il y a beaucoup d'entreprises qui l'achètent pour laver les tasses au bureau, pour éviter d'utiliser des gobelets jetables. Il y a beaucoup de gens qui font des camping-cars, des vannes aménagées et qui du coup configurent leur espace. Donc, par exemple, ils vont mettre les panneaux solaires, le système des batteries, un onduleur. Et ils intègrent le bob pour pas avoir à faire la vaisselle. On a beaucoup de personnes âgées qui achètent le bob. Pourquoi? Parce qu'en fait, généralement, on est assez âgé, on est tout seul, on n'a plus les enfants avec soi. Et on commence à avoir un peu d'arthrose, donc faire la vaisselle à la main, c'est difficile. Et bob, l'intérêt, c'est que c'est très facile à utiliser. On appuie sur le bouton et ça lave. Et il n'y a pas besoin de se baisser. Donc là, le prix d'entrée, c'est $399 en magasin et en ligne. Et aujourd'hui, il est en précommande à $299 avec une réduction de $100 pour les 6 mois d'attente liés à la précommande. Merci beaucoup Damien Pi. Et puis on vous souhaite bonne continuation et merci. Beaucoup de courage. Merci beaucoup et surtout jetez l'éponge, adoptez Bob. À très bientôt, vous avez compris, jetez l'éponge.
si son l'avait acheté avec les poches, ça me tient dit nous. En tout cas, Maïska Ville Rio de Janeiro au Brésil décide d'annuler carnaval Villa pour une deuxième fois. Une façon pour empêcher propagation variant Omicron dans pigo nation Amérique du Sud là. Et puis dans l'autre nouvelle, yon haïtien connecté entrepreneur avec artiste haïtien yo pour faire promotion pour travail à faire. Sandra Lemaire t'a rencontré artisan yo pendant dernière édition qui était déroulée dans Miami état Floride. Le commencement mois de décembre là, entrepreneur qui sorti tout partout t'a gain opportunité connecter et puis rencontrer nouveaux clients. Activité a relé interconnected et c'est idée yo haïtienne. Hello, hello guys. Moi c'est Ruth Michel Dupou, but everybody call me Boss Lady Air. Aujourd'hui, on va parler de événement qui est interconnected. D'ailleurs, depuis son nom, nous comprenons ça, Malaysia. Interconnection. Nous tous interconnectés, which is quelque chose à côté nous, quelque chose dans le pays nous faites là. You know, no matter what, Haiti, Dominican Republic, Cuba, Africa, you know, Angola, all the countries. Doesn't mean anything. At the end of the day, nous tous interconnectés, nous tous human beings. Ok, c'est peut-être ça moi créer plateforme ça à côté que chaque année on va avoir un événement où ces gens vont se connecter, et spécialement les gens qui sont en business. Parce que je dis toujours ça, les businessmen, les entrepreneurs, c'est l'avenir du monde, du pays, non, du monde. C'est nous-mêmes qui changeons la donne. C'est nous-mêmes qui changeons les tendances. C'est nous-mêmes qui créons de nouvelles choses. Donc c'est peut-être ça, c'est avec les gens que nous connectons, pour nous interconnecter, pour nous créer une plateforme. Ça. Nous avons rencontré quelques entrepreneurs haïtiens pendant la visite nous dans Interconnected. En cause avec vous. Moi, c'est Voltaire Charlemagne. Mais en plus, je connais sous nom Mr. V comme artiste. Moi, j'ai commencé à travailler dans le domaine art en 2007. Et depuis 2007, je n'ai jamais baissé les bras, je frappe net à l'aide. Et mes pouces, j'ai commencé à faire le dessin depuis le petit, j'ai eu connaissance de qui j'ai commencé. Et moi, j'ai fait également une série de pièces que nous avons les pièces de récupération. Côté que n'importe ça me joigne, je transforme. Bonsoir, la voix de l'Amérique. Et non, Pam, c'est Patricia Dufan. Et moi, je suis à Haïti. Donc, c'est un plaisir pour me présenter Good Stuff dans Interconnecté à soir. Pour moi, c'est une initiative qui permet que nous rencontrer entre différents entrepreneurs. À soir, je rencontre un paquet de belles monde, tantôt clients, tantôt d'autres entrepreneurs, des monde que m'habitue à côtoyer également. Donc, c'est un espace pour que nous tous te rencontrer, pour nous te faire échange, pour d'autres monde qui produit chaque artisan ou bien vendeur qu'il a. Donc, bah, c'est une très belle initiative. C'est sûr que nous avons besoin d'autres versions dans les années à venir pour nous capables toujours avoir une chance pour nous que nous capables présenter produits, nous rencontrer de belles monde, rencontrer de bons customers. Fait, Good Stuff in More, c'est une initiative que je viens faire et que l'idée est venue à partir de profession qui c'est ingénieur agronome. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec un pilatisan et dans le travail que j'ai eu avant et que j'ai eu la chance de côtoyer un pilatisan. Moun qui a fabriqué belle bagarre en Haïti, mais malheureusement c'est des monde qui pas grand marché, c'est des monde tout qui bon pas grand monde qui connaît même exister, grand monde qui sorti bien loin. Donc et également j'ai eu chance de voyager au Niger, c'est même bagarre, même ambiance là. Donc à partir de ça, me dit ben non, on constitue une plateforme non seulement pour travail et permettre que retomber économiquement, pas seulement pour moi et pour monde ça yo, pour jeune monde ça yo. Donc c'est ça qui fait que nous là. Par contre, par exemple, là, c'est un bijou que un jeune artisan haïtien fait, une dame qui est Suzanne, qui travaille avec nous, donc il fait ça. Sandales que nous faisons tout, c'est un jeune garçon haïtien qui pas travaille, bon, qui pas gagne l'autre travail, qui fait merveilleux ça que ouais. Donc, il y a nous la donne, mais c'est lui qui fait. Donc, l'idée, c'est ça, c'est travailler avec mon saïo, bel nom saïo, et que permettre que l'autre monde, l'autre côté dans le monde, le connaît que Haïti, il y a de merveilles qu'il est capable de faire à travers le travail. Et j'aime surtout parler de retombées économiques et tout, c'est que et récemment, mes matisans sont malades. C'est parce que me devons combattre pour faire contrat, pour faire sandales. Il a expliqué que les gens s'aident d'elle pour être capable de subvenir à besoin. Donc tout ça, c'est des bagages positifs que Good Stuff lui-même en soi lui fait. Mon nom c'est Flore Loiseau de Exotique et Exotique Liqueur. Moi, je fais bijoux. Parmi tant d'autres bagages, je fais bijoux avec liqueur que j'ai avec jeudi.
et moi travaille tout différents matériels, mais une spécialité, une bagaille que moi j'aime vraiment utiliser, c'est bois. Qui me fait des bijoux des fois qui paraissent monstrueux, mais ils sont assez légers. Et raison qui fait m'utiliser bois, c'est parce que moi, je voulais que nous reconnecter avec nature, reconnecter avec nous-mêmes, reconnecter avec authenticité. Nous avons couru chercher une perfection qui pas existé. Et pendant ce temps, toute énergie nous besoin, tout le monde nous besoin, c'est dans bois, nous joindre, c'est dans terre, c'est dans tout et bagages que nature a déjà fait pour nous. Et là déjà. Un bois, ça par exemple, c'est un bois qui est le chola. Là, le consali pas fond. Là, le consali pas fond. Mais là, il y a un aquarium qui gagne écrevisse avec homard. Il fond, il disparaît. So, m'aime parce que m'aime transformation. M'aime en tant qu'humain, nous toujours à changer, nous toujours à transformer. So, m'aime utiliser des matériels qui utilisaient. Pour deux bagages différents. Pour Gentil Augustin Junior, dans Miami, moi c'est Sandra Lemaire pour La Voix de l'Amérique. Merci Benson de quitter de nous faire mettre le programme ça dans l'air ensemble avec Fred Kaimit et on a dit tout le monde. Bonsoir et bonne nuit. Moi je vous remercie parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou patience. Moi pralé m'a quitter on bras papa mon Dieu parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba la vie avec la santé. Bonjour bonsoir tout le monde, non pas c'est Foucault, n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine. Me ramasser paquet moi cause habitant pas miser la ville. Moi pralé mais m'a quitter on bras papa mon Dieu parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. N'ap croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.